Le ministre de l'Éducation, M. René Monoris, se retrouve donc une nouvelle fois en première ligne. Invité d'Antenne de Midi, il justifiait ainsi sa réforme. Je vais faire un sondage qui sera sans doute publié. Plus de 70% des Français, à égalité à gauche comme à droite, sont pour le renforcement du pouvoir du directeur dans l'école. Alors, il faut quand même aussi, de temps en temps, ne pas oublier qu'il y a une opinion publique qui compte, qui probablement est surprise de ce débat, et je le répète, qui est une mesure de bon sens. C'est un débat qui est complètement dépassé. Je crois que, moi, je suis tout à fait prêt à discuter, comme je l'ai fait pour les mesures d'application. Ça me paraît une mesure saine. J'ai même entendu à la tribune de l'Assemblée nationale, quand j'ai fait voter mon budget, mon prédécesseur qui disait qu'il était pour cette mesure. Si je suis là, c'est pour essayer de faire boucher les choses avec l'accord du plus grand nombre et dans le sens, que je répète, que la France puisse gagner demain. Non. Donc, en ce qui me concerne, je n'ai jamais envisagé, je n'envisagerai pas pour ma propre action, la pause. Pas de pause.